Moi, c'est Martin et je suis business developer chez Frida. J'ai rejoint l'aventure sur un stage de fin d'études, donc sur un poste de bras droit CEO à l'origine pendant 6 mois. Et du coup, aujourd'hui, enfin, depuis septembre 2021, j'ai occupé le poste de business developer. Donc, je suis titulaire d'un master 2 business development, donc, ce qui est en totale adéquation avec ce que je fais aujourd'hui chez Frida. Mon rôle chez Frida, du coup, c'est de faire de rayonner l'entreprise dans notre écosystème et de faire naître aussi les premières sources de chiffre d'affaires. Je vais nouer un certain nombre de partenariats stratégiques avec des startups, donc notamment des proptech, des fintech, des agences immobilières également et des banques. Et ce qui me permet aussi, donc, du coup, c'est un aspect que j'aime bien dans mon métier, hein, c'est de pouvoir être en relation avec beaucoup de personnes, de pouvoir échanger avec elles, qui du coup mènent à chaque fois sur des échanges très intéressants et de rencontrer aussi des super personnes. Et donc c'est très enrichissant pour moi. Même en interne, hein, puisque du coup je peux aussi, le poste de business developer permet de travailler avec l'intégralité des pôles de chez Frida. Donc moi je peux maintenant comprendre mieux les aspects des différents métiers, hein, tout ce qui va être produit, tech, bon, je ne sais pas encore coder, mais le marketing également. Le sales du coup, mais que enfin, c'est plus ma partie. Voilà. Comme j'ai expliqué, j'ai rejoint du coup Frida sur un poste à l'origine de stagiaire de bras droit CEO, donc ce qui m'a permis de comprendre tous les besoins de l'entreprise, tous les challenges à relever, et ce qui était parfait du coup pour enchaîner sur le poste que j'ai actuellement, donc de business developer. Quand j'ai postulé chez Frida, Manuel m'a présenté le projet et je le trouvais vraiment super cool. Je me projetais aussi parce que je fais partie clairement de la cible de futurs primo-accédants qui ont obtenu un CDI et qui vont du coup acheter leur premier bien. Et du coup, utiliser une application comme Frida, bah, c'est une super application. Donc j'ai totalement matché avec le projet et la vision. Sur le poste de business developer, je vais bosser pas mal sur l'opérationnel. Donc, par exemple, je vais bosser sur les dossiers de crédit que nous envoient les utilisateurs, ce qui me permet d'avoir leur feedback et de mieux comprendre leurs besoins et la valeur ajoutée que l'app Frida leur apporte.